Frères et sœurs, ce bas monde a bel et bien une fin et il ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, tout ce qui est présent est voué à disparaître à l'exception de la magnificence d'Allah. Comment va se dérouler ce processus? Y aura-t-il une météorite qui va venir s'abattre sur Terre et la détruire comme le prétendent certains scientifiques? Ou est-ce le dérèglement climatique qui sera la cause de la disparition de toute vie sur Terre? Y a-t-il une corrélation entre cela et la réalité qu'on trouve dans nos textes? Y a-t-il des signes qui vont nous alerter de cela si tel est le cas? La réponse est évidente. Oui, il y aura des signes précurseurs avant la fin du monde. Et ces derniers se divisent en deux grandes étapes. Les signes mineurs qui se divisent en deux étapes aussi, à savoir ceux qui se sont déjà produits et se sont arrêtés, et ceux qui sont en train de se produire et ne cessent de s'arrêter. Ceux-ci sont les signes intermédiaires. Et enfin, les signes majeurs qui ne se sont toujours pas produits et qui se rapprochent vraiment de la fin du processus final qui donnera accès au jour dernier. Mon frère, ma sœur, toi qui ne t'es pas préparé pour la mort, c'est le moment idéal. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » « Toute âme goûtera à la mort ». Et quelle provision vas-tu présenter à Allah ce jour-là? Sachant qu'un compagnon, un jour, il est venu chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit « Ya Rasulallah, vois-tu, si c'est la fin des temps, qu'est-ce que tu me recommandes de faire ?» Voilà que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de dire « Si tu peux planter un arbre, fais-le. Mon frère, ma sœur, suis ces recommandations prophétiques. Et si tu peux t'adonner au maximum dans les actes d'adoration, fais-le. Ne néglige pas la mort, ne néglige pas les signes de la fin des temps. » Car on ne sait pas quand est-ce qu'elle va concrètement apparaître.